Salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 3 de Paper Mario Color Splash. Voilà, j'ai réussi à le dire. La dernière fois, on s'était quitté après avoir récupéré la petite étoile de port, du port Barbouille. Et donc maintenant, on est à la poursuite d'un masquasse. Voilà. Alors, toujours avec un nouvel ennemi. Voilà, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, ça sera un ennemi à démonter avec le marteau. Voilà, très bien. Parce qu'il a un pic. Donc Mario va se piquer le cul, voilà, c'est ça en gros. Alors, on va prendre un marteau miteux, parce que le marteau miteux c'est cool, voilà. Alors, on envoie ça, tac, action, alors, et maintenant on va essayer de faire un parfait. Ah, on n'a pas fait de parfait, dommage. What? Ok, j'ai cru qu'il allait m'attaquer, mais finalement non, il avait pas trop envie, donc bon. Bah écoute, Masquasse, je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas si t'es tombé, bah, désolé. Alors, dommage, j'arrive pas du tout à faire un parfait. Je n'arrive pas à comprendre le système du parfait dans ce jeu. J'arrive pas. Alors, et là, on va récupérer tout ça. J'aimerais bien monter mon niveau de marteau avec vous, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, dans cet épisode. Alors, on est à la poursuite de ce Masquasse, donc du coup, on va aller le voir. Petit pont. C'est qui l'a bâti ce pont là? De toute façon, dans Paper Mario, oui, je vous remémore un petit truc. C'est qu'il nous faut voir le Toad Bâtisseur. Parce que Toad Bâtisseur, il y a un pont qui marche plus, donc il a pas bien fait son taf. Enfin, le pont ne marche plus. Parce que. Bah, je sais pas pourquoi. il lui manque pas de couleur, en fait, c'est juste qu'il est tombé. Voilà. Oh, mais sérieux? Pourquoi tu veux pas mourir là-bas? What? Ok. J'ai oublié. J'avais oublié. Bon, alors, très bien. Tu veux jouer à ça? Mince, non, je vais pas l'envoyer. Est-ce que si j'envoie une... Je peux envoyer une carte comme ça? Je peux envoyer une carte sans rien? Ça fait quoi? Ah, ok, ça fait... En fait, ça fait rien. Ah oui, ok, ça la rend moins puissante. D'accord, très bien. Ok, bah, je savais pas. Bon, du coup, je peux l'attaquer comme ça, genre... Placer une carte. Ah non, je peux l'attaquer comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va prendre un marteau miteux. Voilà. Dommage d'utiliser un pauvre marteau pour un PV. C'est dommage. Mais bon. Allez, on va faire un coup nul. Regardez. Pouf. Voilà. C'est très bien. C'est nickel. Alors. Oui, il nous donne plein d'augmentations de marteau. C'est super cool. Alors. What? Ok, je me disais aussi... C'est sûr qu'il y avait un truc. Oh, des sockets. Rebond. Ah non, ça s'appelle rebond. Oui, il y était dans Sticker Star aussi, ce sticker. Ça permettait de faire beaucoup plus de rebond qu'un simple saut, en fait. Voilà. On a tout, là? Ah, voilà, je me disais bien aussi qu'il y avait un truc. Alors, ben voilà, nickel. On a pris notre petit truc. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Tirer, voilà, comme ça on va refaire le pont. Nickel. Voilà, on pourra repasser là. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, mais là, c'est un vrai Masquasse. J'en étais sûr, voilà. Ok, c'est bon, tu m'as eu. Je me rends, je regrette mon passé de voyou. Je m'enfuirai plus. Je pensais que le proverbe disait « Bien mal acquis ne profite jamais », mais en fait, c'est « Bien mal acquis ». Autant pour moi, je vais ramener la peinture que j'ai volée. Allez, retournons auprès de la grande étoile de couleur, je te suis. Oh, voilà, c'est bien, bravo, je suis fier de toi. Voilà, au moins un ennemi, ça prouve que les Masquasses sont intelligents, parce que bon, se frotter à Mario, c'est le héros, il peut pas mourir, vous comprenez pas? What? Ok. Il y a le petit café, là, alors. Désolé Mario, c'était la folie aujourd'hui, on m'a dévalisé. La prochaine fois, essaie de venir plus tôt, genre avant le coup de feu, d'accord? D'accord, très bien. Bon, essaie quand même de ne pas perdre de la peinture quand même, ok? Et voilà, on retourne là-bas. Ok, je vais te rendre la peinture à l'étoile de couleur. Ou l'inverse, je sais jamais. Comme je suis un méchant, fraîchement repenti, tu ferais mieux de rester là au cas où je chercherais à nouveau à m'enfuir. Oh, c'est trop mignon. Bon, toi, je ne te tuerai pas. Tu es très gentil, voilà. C'est très bien. Voilà, elle est comme neuve. Merci beaucoup. C'est bon, tu es content? Je peux y aller? Ou est-ce que la route s'arrête ici? What? Ah, la route s'arrête... Oh non! Oh non! Non! Non, 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 non! Oh, l'enfoiré! Je me disais aussi, ça sentait trop bon pour que ce soit réel.
Vite, vite, Todd! Todd, viens avec moi! Oh non, le pauvre, ils sont café! Merde! Oh, je suis désolé pour toi! Oh, mais purée, je me prends tout dans la gueule! Mais attendez, je me prends tout dans la tronche là! Non, mais. Attendez! What? Oh là là! Ils vont nous tuer! C'est fini! Voilà! Mario, tu es mort! Elle est très très sympa cette route comme ça! Bon! le petit Todd! Trop mignon! Bon, alors Todd! T'avais qu'à m'offrir un café. Ils ont roulé la route écarlate. Mon café est penché là-haut maintenant. Mario, tu crois que tu pourrais, je sais pas, dérouler la route? Ben, je ne sais pas. Oui, ben, on verra ça. Attendez. Attends, plutôt. On dirait que quelque chose maintient... Oui, c'est un sticker Bowser. Mais ça, c'est quoi? Ah, on peut monter? Mais non, on peut pas monter, hein. Ouais. Donc, en fait, la meilleure chose à faire, ce serait de... Ben, en fait, je sais pas. Comment je pourrais dérouler la route? Attendez. C'est quoi, ça? Attends. Mario, tu crois que je pourrais, je sais pas, dérouler la route? Mais comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse? Tu veux que je saute de parapluie en parapluie? Je ne sais pas. Attendez. Non, mais attendez, y a un problème là. Je sais pas comment on fait. Attendez. Non. Ah, peut-être ça. Mais oui, j'ai oublié, c'est la fonctionnalité du marteau splash, c'est vrai. Non, y a rien. Ça, on dirait un couteau. Ah, mais c'est un couteau ça, non? Attendez, c'est un couteau ça. Attendez. Mais oui, c'est un couteau. Attends, mais. Comment tu veux que j'ouvre ça? Attendez. On est bien d'accord, c'est un couteau. Sauf que le couteau, tu veux que je fasse comment pour l'avoir? Peinture, Yon, tu peux m'aider? Première fois que j'utilise peinture. On s'est fait rouler. On doit retirer le ruban adhésif qui maintient la route dans cette position. Mais comment atteindre de l'autre côté? Comment atteindre de l'autre côté? Ben, tu enlèves ce couteau. Enfin, tu enlèves ce couteau. Ouais, je sais pas, hein. Mais Todd, reste pas là, aide-moi, non? tu veux que je fasse... Ah, mais voilà! Très bien! Ok! D'accord, bah c'est pas très logique, hein. Alors là, pour ceux qui ont bûché pour savoir comment il fallait faire, je me dis bien aussi, cet arbre avait de l'importance. Bon, alors, voilà. Mais là, il y a un couteau, on est d'accord? C'est un couteau, ça, là. Ok. Et maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voilà! Très bien. Très bien, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Allez, encore. Et voilà! Normalement, ça va tout descendre. Nickel! Et voilà! Ils sont devenus bleus! Ah, vous faites-moi les malins! Hein. Mon café chéri, j'arrive! Bon, moi, je veux ce couteau! Je veux les assassiner! Mais c'est un couteau, on est d'accord? Ou c'est un parasol? Je comprends pas. Attendez. Bon, bah, ok, bah, c'est pas grave. Hein, voilà. Peut-être qu'il va nous le donner, je ne sais pas. Bon, alors. Bien. Oh, il est tout retourné, son café. Le pauvre. Je peux pas t'aider? Genre, il y a rien, là? Non, il y a rien. Bon, très bien. Bon, on va aller démonter ces masques, là. Le pauvre arbre sans feuilles. Alors, sauf que là... Oh Mario, tu tombes à pic! Ces teams masqués m'ont donné de bons pourboires, mais j'ai du mal à oublier ce qu'ils ont fait à mon café. J'essaie de leur donner une bonne leçon, mais tout seul, je ne suis pas assez lourd. Je me dis bien qu'en sautant à deux rythmes, on pourrait les écrabouiller comme il faut. Tu veux m'aider? Tu veux bien m'aider? Très bien. Allez, oui. On va les démonter. C'est comme ça qu'on saute. Mince. Oh! Les pauvres. On a réussi, ces sales types doivent bien regretter tout ce qu'ils ont fait maintenant. Ouf, je suis soulagé. Ils pouvaient pas me donner des points de marteau? Un petit café pour fêter ça? Allons-y. Très bien. D'accord, on va aller à son café. Ah, il y a l'étoile qui me tend des bras là, mais... What? C'est quoi ça? Ah, une pièce. D'accord, très bien. Hello. Bon, je dis écrabouiller ces voyous, mais...
m'a bien fait un... Attendez. Bon, je dis pas écrabouiller ces voyous m'a fait un bien fou. Mais du moment... Du coup, je n'ai aucun client. Et un café sans client, quel intérêt? Ce n'est pas la préparation qui fait l'âme du café, c'est sa dégustation. Mais je veux bien te payer, moi. Bah ouais, mais bon. D'accord, très bien. Bon, bah, et ça, là? Ça, tu veux pas me le donner? Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoutez. Ça aussi, hein, ce passage, on l'avait vu dans le trailer. Je sais pas si vous avez vu le trailer de ce jeu. Mais bon. Je n'oubliez pas qu'il y a une deuxième... Une deuxième étoile à récupérer, donc on va la récupérer. Allez, tac. Niveau terminé. Wouhou. Allez, on prend toutes les pièces. C'est parti, toutes les pièces, nickel. Je me demande si on avait laissé genre la peinture sur la route là. Est-ce qu'elle elle nous aurait tombé dessus? Nous aurait tombé dessus, ça se dit je crois. Oui, ça se dit. Bon, alors. Oh, un petit moulin. Il y en a un qui apprécierait voir un petit moulin. Hein. Bon, alors. On va pas entamer ça tout de suite. En fait, je pense que les épisodes, on va faire un épisode... 91%. Et on va refaire la route écarlate. On va faire un épisode, en fait, chaque niveau. Donc là, la route écarlate, on va faire les deux étoiles. Parce que c'est cool. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une deuxième étoile et il y a un deuxième chemin. On a déjà trouvé une petite étoile de couleur dans ce niveau. Même sur plus, pour quitter. Non! Je peux pas quitter, moi. Voilà, donne-moi ça. Ah, et les totes sont revenus, d'accord. Ah, vous avez vu? Voilà. Merci. Bon, est-ce que le Todd a repris ses affaires? J'aimerais bien savoir. Est-ce que les ennemis sont toujours là aussi? Parce que c'est intéressant de voir ça. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, il charge, donc ça veut dire... Ah, voilà, je me disais bien aussi. Voilà, donc la deuxième petite route, ici. Qu'est-ce que c'est ça? Un mascasse! Oh, genre je l'ai eu. Mario, il a sauté toute seule. J'allais dire, attends, tout seul, il a sauté tout seul. Alors, c'est le moment d'utiliser mon deux sauts. Que j'avais eu depuis le début. J'avais eu depuis le début ce petit truc, donc on va l'utiliser. Mon double saut. Alors, tac, 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 tac. Nickel. Et l'autre, tac, 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 tac. Voilà. Ok, j'ai pas fait un excellent. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas fait un excellent. Alors, point marteau, s'il vous plaît. Oui, beaucoup de points marteau. Allez, point marteau, je pense qu'on va augmenter. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un risque. C'est un risque UV, je crois. Enfin, la 5 rescue. Rescue 5. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais... En fait, il y avait des trailers du jeu, ça s'appelait Rescue UV. Et en fait, ça mettait en scène des petits personnages comme ça. Alors, salut! Tiens, Mario, repos! Je suis le capitaine de l'équipe de sauvetage violette. On nous a informé que tu aurais sûrement besoin de franchir cette falaise, Mario. Alors, j'ai convoqué mes gars pour qu'on essaie de trouver une solution. Mais aucun des trois n'est arrivé, c'est pas normal. Tu croises un de mes gars en route, envoie-le-moi, entendu? Terminé. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les équipes de sauvetage. Vous, l'harmonie des couleurs, vous la virez à fond. Tu n'as pas tort, Peinturion, mais rejoindre une équipe de sauvetage ne résume pas à porter des beaux uniformes certainement... joliment assortis. C'est avant tout un sacerdoce. Sacerdoce. S'ouvrir des âmes en détresse. Et faire triompher la justice partout où elle chancelle. Si tu veux parler au coordinateur des équipes de sauvetage, tu le trouveras au QG dans le quartier jaune de Port-Barbouille. Très bien, d'accord. Bon, oh, regardez ça. Les deux là. C'est la danse de la paille qui fait glou et qui fait glou. C'est la danse de la paille. Sois pas fou, danse avec nous. Ok, très bien. À l'attaque! D'accord, très bien. Alors, on va utiliser... Ah, regardez ce que j'ai. On va utiliser le Koopa, tiens. Le Koopa. Qu'est-ce qu'il fait, le Koopa? Alors, le Koopa. Je crois qu'on va invoquer un Koopa, on va lui sauter dessus, je crois. C'est un peu comme ça. Yay! Ok. Ah, ok, d'accord. D'accord, très bien, Koopa. Merci beaucoup. En fait, ça fait aussi office de coéquipier, quoi. D'accord. Il est parti tout seul. Bah, très bien, merci, hein, Koopa.
Bon ben voilà, j'ai eu les couleurs là. Ah, regardez, il y a un extincteur. Ah, oh, c'est intéressant ça pour la suite. Il en faudra un d'extincteur. Je dis pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il était dans le trailer. Donc si vous avez vu le trailer, vous savez pourquoi on aura besoin d'un extincteur. Bon alors, je vous rappelle qu'on va aller à la carte du monde. Parce que il faut retrouver ces petites têtes violets. Donc on va aller à Port Barbouille. Ah regardez, il y a une petite insigne Todd violet, ok. Donc peut-être que à Port Barbouille, ils trouveront quelque chose. Port Barbouille. Peut-être qu'ils trouveront quelque chose, je ne sais pas, mais on verra. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bien le bonjour Mario, je serai ton guide attitré pendant ton séjour à notre belle ville de Port Barbouille. Naturellement, tu peux appuyer sur... Oui, bon, ok. Parle-moi du quartier bleu, parle-moi du quartier jaune, tiens. Ah, le quartier jaune, un lieu incontournable, c'est là où se trouve le QG de l'équipe de sauvetage. Il y a aussi une salle d'entraînement idéale pour parfaire ses techniques de combat. Dirige-toi vers la droite pour accéder au quartier jaune. Veux-tu que je te parle? Non, ça ira. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a toujours... C'est les petites couleurs qui ne sont pas revenues. Alors, on va les utiliser, tiens. Voilà, petit Todd. Alors... Je pensais que ce serait peut-être le top de l'équipe violette. Oh, ce n'est qu'un cauchemar, tout ça est réel. Ces vandales ont vraiment tari notre glorieuse fontaine. Enfin, maintenant que tu es là, ça, tout va s'arranger, n'est-ce pas Mario? Trouve nos précieuses grandes étoiles de couleur et sauve le monde du désespoir et d'une fin apocalyptique. Mais surtout, prends ton temps, hein, rien ne presse. Tiens, ça t'aidera sans doute de savoir qu'est-ce que tu trouves ici, le quartier rouge, sur ce bonne chance Mario. Ça, c'est le quartier rouge, ça? Là où je suis? Ok, ouais, très bien, le quartier rouge. Bah, au moins, on aura sauvé un Todd. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais pour le 100%, c'est très bien. Alors, je vous rappelle que si je... Ah, dites-moi dans les commentaires, si vous voulez que je repeigne un peu la ville ou quoi, pour avancer fur et à mesure. Voilà, alors on va avoir le quartier jaune parce que on va avoir l'équipe de sauvetage. La Rescue, Rescue V, moi j'appelle ça. Parce que, tapez Rescue V, Paper Mario Color Splash et vous verrez. C'est un mini trailer, il s'appelait Rescue V parce que c'est 5 équipes de couleurs. Dont une violette, une rouge, une. Voilà, je vous dis pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nickel. Sommiteux, et ça. Ok, très bien, voilà. Très bien. Mais ça c'est nickel, regardez. On repeint toute la ville, voilà. Et voilà, elle est pas plus belle comme ça la ville. Bon, je pense que oui. Alors. Est-ce que c'est... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour Mario, j'espérais bien que tu passerais par ici. Je suis le coordinateur des équipes de sauvetage. Ces équipes ont été formées pour apporter leur aide à quiconque la réclame aux quatre coins de la ville. Mon rôle est de coordonner les opérations et de garder un œil sur chaque équipe. Si tu as besoin de l'aide pour localiser des Todd Sauveteurs, viens me voir. Mais je veux te voir. Voici les informations dont je dispose. Le capitaine de l'équipe de sauvetage violette est localisé. Tous ces membres de l'équipe de sauvetage n'ont pas encore rejoint leur capitaine, il leur reste 3 dans la nature. Il y a encore des Todd Sauveteurs à trouver dans ces 3 endroits que tu n'as pas encore explorés. Il en reste 3 pour être plus précis, c'est tout. D'accord, donc ils sont dans des endroits où j'ai pas exploré. Très bien. Bon, écoutez. Est-ce que la salle d'entraînement a changé? Mario, bienvenue dans ma salle d'entraînement. Je suis le Todd le plus doué en arts martiaux qui soit. Enfin, sur le papier. Si tu veux finir cette aventure en une seule feuille, il va falloir maîtriser parfaitement les actions de combat. Et tu ne trouveras pas meilleur professeur que moi. Commençons l'entraînement. Ces actions, souhaites-tu travailler en premier? Marteau, ça. Ah, je veux bien le marteau. Ah, un bon coup de marteau sur la tête, ça peut faire que mal, hein? Allez. Enfin, si justement c'est l'idée. Allez, entraînons-nous. D'accord. Je vais me battre contre Todd. Chapitre 1, marteau. Lorsque tu soulèves le marteau, observe la lumière qui émet au bout d'un moment. Quand cette lumière. Nanana, ok. Pour gagner, appuie sur A. Oui, je sais. D'accord. Oui. Alors, allez, à toi de jouer. Très bien. Prêt? C'est parti. Attention. Hop. Je fais que des trop tôt. C'était presque ça. Oui, trop tôt. Alors, tu veux réessayer? Oui, je veux bien. Alors, on va essayer de faire un bien. Hein. Enfin, parfait. Oui, j'ai fait un super. Trop tôt. Encore? Presque parfait. D'accord. Non, c'est bon, c'est bon.
Non, parce que si c'est ça, je pense qu'on va plutôt entamer la nouvelle zone. En aucune. Oui, allez. N'oublie pas que tu peux... Oui, je sais que je peux te toucher le manuel, mais ça ne sert à rien. Voilà. N'empêche, je suis un peu choqué des Todd qui nous... Enfin, du Maskass, j'étais prêt à parier qu'il allait devenir gentil. Finalement, bah non. Le pauvre. En plus, on les aura éclatés. On les aura éclatés contre le mur. Donc voilà. Allez sur la carte du monde. Oui. C'est exactement comme dans Sticker Star. Allez à la carte du monde et tout. Alors. Donc, Rescue... Enfin, il y a le Todd Softer violet qui est là-bas. Très bien. Commencez. Allez. On va aller là-bas. Comment ça s'appelle? J'ai pas vu. Lac Cerise. Wow, c'est joli comme nom. Lac Cerise. Oh, c'est super joli. Vous avez vu? C'est grave sympa. Ok, bon, bah très... Wow, Mario, regarde. Ah, mais il est là, le Todd violet. C'est lui, le Todd violet. Ah non, c'est un Todd rouge. Merde. Oh, le porc. Ah, mais s'il faut, c'est lui qu'on doit sauver. Oh. Tu as vu un Todd vient de tomber du bateau volant. On dirait qu'il s'est écrasé près du lac. Sacrée chute. J'espère qu'il n'a rien cassé. Allons voir. Très bien. Allez, on va le voir. Lac Cerise. C'est super sympa comme endroit. Je suis ravi. Alors. Comment va-t-on faire? Alors, on peut pas ouvrir. Hein. Quelque chose coince. De l'autre côté, on n'arrivera pas à ouvrir d'ici. C'est rageant. Il faut absolument qu'on ouvre. Comment faire? Si seulement on réussissait à monter sur ces blocs, on pourrait sauter de l'autre côté. Quel bloc? Mais oui, une ligne parfaite. Attends Mario, je vais t'enseigner une technique qui va te scier. Regarde attentivement. Ah, ok, d'accord. Là, tu vois, la ligne tracée par ces planches sur le portail, on dirait que les escaliers. On dirait des escaliers, pas vrai? Quand tu te trouves sur une ligne bien dessinée comme celle-ci dans le décor, tu peux réaliser un goût de découpage. Tu vas avoir appuyé sur Y. Oh, ça fait trop penser à Colette dans Sticker Star aussi. Et zouf! Voici la ligne en pointillé dont je te parlais. Nous pouvons utiliser mes pouvoirs pour transcender les dimensions et découper un décor un morceau du décor. Alors, à toi de jouer Mario. Regarde le gamepad. D'accord. Donc là, je vais de... Oh, youhou, on a réussi. Nanana. Donc, en fait, sur le gamepad, si vous voulez, je vois des pointillés. Et du coup, je pense que je vais devoir couper comme ça. Voilà. Ok, nickel. Joli goût de ciseaux. Et voilà. Normalement, j'ai fini. Voilà. Et maintenant, je vais... Ah ok d'accord. Et maintenant en fait je monte sur le truc. D'accord, je suis en haut. D'accord, ok. En fait vous pouvez pas le voir, mais en fait si vous voulez c'est le décor est en 2D. Il reste en 2D en fait si vous voulez. Technique de découpage acquise. Bravo, tu as compris la technique de découpage. Nous sommes fabriqués des escaliers en utilisant les lignes de décor et nous pouvons atteindre ces blocs. Vive le monde de papier. Dès que tu as l'impression qu'un élément du paysage pourrait être découpé, essaie d'appuyer sur Y. Si une ligne de poitiers apparaît, c'est qu'il est possible de découper le décor. Bon, sur ce, sautons de l'autre côté du portail et partons à la recherche du Todd qui s'est écrasé. Très bien. Bon, ça, on va ouvrir parce que, voilà. Comme ça, on n'aura plus besoin de faire le découpage. Voilà. Et on peut monter. Enfin, on peut aller là-bas. 24 minutes. Très bien. Je regardais le Audacity. Alors. Et on sauvegarde. Ah. Cette fleur-là, elle nous donne du rouge. Hein. Je pensais pas que ça nous donnait du rouge. Est-ce que les Koopas, tous les Koopas nous donnent des cartes Koopa? J'aimerais bien savoir. À l'attaque. Très bien. Et ben, on va utiliser un Soumiteux. Parce que les Soumiteux, c'est cool. Voilà. Hop, alors. Koopa, vas-y. Mets-toi dans ta carabasse. Tac, 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 tac. Et tac. Ah mais il va pas dans la carapace. Voilà. Oh la garde elle est quand même. Waouh. Il m'a pris de la peinture. D'accord, ça nous chiffre de la peinture, d'accord. Très bien.
Sélection prête, on envoie, et voilà. Normalement, le Koopa devrait partir. Tac, et voilà, on a terminé. Bon, sympa. Sympa, sympa. Alors, Koopa. Ah, une carte masse-casse rouge. Très bien. Et le marteau a augmenté, nickel. Ben voilà, ça sera dans cet épisode qu'on augmentera le marteau. Augmentation du... Ah ben, il est pas passé à 200, il est passé à 180. Bon, 200, c'était un peu... Ça, je pense que c'est un peu trop, mais... 180, c'est bien aussi. Alors. Tac. Ça, on ouvre. Voilà. Des nouvelles petites cartes. Très bien. Toujours sympa, ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très, très joli. Très, très... Très cool. Alors, tu t'empiles avec nous, oui ou non? C'est quoi ton problème? Tu veux la jouer perso? Oh, je vois, monsieur pense que nous sommes pas assez bien pour lui. On n'est pas que 4 pour faire une pile de 5. Il nous faut un gars de plus, tu me suis? Il te suit pas. Allez-y, assez discuté, on va l'empiler de force. Flûte, il s'enfuit. Et visez-moi ça, les gars. Un sans-pile. Un sans-pile qui nous espionne. D'accord. C'est du racisme? Une salopette et une moustache? T'essaies de lancer une nouvelle mode ou quoi? On va te faire rentrer dans le rang. Les gars, attrapons ce clown. Ils ont l'initiative, quoi. Là, tu peux rien faire. Waouh, ok. Ils attaquent fort. Hein. Mais les gars, dommage pour vous. J'ai mieux qu'une pile. J'ai des sauts miteux. J'ai 3 sauts miteux. Très bien, alors. Tac, 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 tac. Et voilà. Ah, ça nous a usé directement la carte. Ils nous auraient pas pu nous la donner directement. Oh, regardez. Des couleurs multicolores. Oula, celui-là, le marteau, il était gros. Enfin, il avait une couleur bizarre. Oh, le pauvre Mascas. Bon, ben, attends. Wow, ok. Faut faire attention. Ah, on peut le faire aller plus vite. D'accord, très bien. Hop, alors, ça, tu nous donnes ça. Non, ça, voilà. Le rebond. Très bien, nickel. Alors, ça. Ah oui, d'accord, le... Oh! Voilà. Ah oui, parce qu'il est passé dans l'eau, d'accord, je comprends pourquoi il est comme ça. Je sais qu'on n'est pas censé fraterniser avec l'ennemi, mais merci de m'avoir aidé. Ces 4 mascasses me cherchaient des noises depuis un moment. J'imagine qu'ils n'embêteront plus personne. Je suis peut-être tout trempé et tout dévalé, délavé maintenant, mais au moins je suis pas, j'ai pas été embrigadé par ces voyous. Ils ont essayé de me persuader que je pourrais jamais m'en sortir tout seul, que je ferais mieux de m'empiler. Mais ça m'est égal, je tiens à rester un sans pile. C'est ce qui fait mon originalité. Et il a bien raison, il faut pas ressembler aux autres. Waouh mon vieux, c'est super émouvant ce que tu dis. Tu devrais te lancer dans la politique. Oui, oui. Allez. Ouais, sauf que dans cet état, je ne risque pas de me faire élire. Ah, moi, je voterai pour toi. Je crois qu'il est temps pour moi de partir pour un long voyage. Je vais suivre la voie du sans-pilage pour apprendre à me connaître moi-même. Mais avant d'y aller, je tiens à vous donner ceci. C'est quoi, ça? Augmentation max de cartes. Oh, incroyable, quel cadeau! Il s'est suicidé! Le nombre de cartes que tu peux avoir à chaque tour de combat vient d'augmenter. Tu disposes désormais d'un emplacement supplémentaire. Ce masque nous a fait un cadeau inestimable. On a du pot. Et les gars, venez rejoindre notre pile, on va se marrer. En plus, les études démontrent que ceux qui font partie d'une pile de 5 vivent 5 fois plus longtemps. Regarde, 2 piles de 4 masques. C'est l'occasion idéale de tester ton nouvel emplacement. Pose 2 cartes à la fois pour semer le panier. Ah d'accord, c'est ça. D'accord, ça va nous permettre en fait de jouer 2 cartes. D'accord, je pensais que ça nous donnait juste une carte supplémentaire qu'on pouvait avoir. Mais en fait, non. Ben regardez, je vais vous montrer ce que c'est que le... Voilà, ça, on va faire ça. Très bien. Voilà. Et voilà. Nickel. Et on envoie. Regardez. Voilà. Ça, c'est le saut... Le saut rebond. What? Pourquoi ça m'a pas fait? Bon, très bien. Ben, je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Bon, ben, on les aura fini avec notre carte. Voilà. En fait, j'aurais juste pu utiliser ma carte 3.
Bah, carte 3 sauts. Waouh, tous les trucs. Nickel, merci beaucoup. Alors, ça c'est quoi ça? Il manquait un petit rond. Alors. Oh! Ah bah c'est le Toad! Non, c'est pas le Toad. Ici, Toad. Tirez. Oh! Examinez. Chaussures de Toad. D'accord. Ok, il s'est... Pendant qu'il est tombé, je pense qu'il s'est déshabillé. On devra trouver son... toutes ses affaires. Très bien. Je pensais que c'était le Toad, moi, en fait, mais non. Bon, les amis, on va se fight contre Koopaya. On va en rester là. Alors. Je sais pas si ça fait quelque chose... Ah oui, ça fait quelque chose, en fait, de taper avec le marteau. Alors. Attendez. Tac, on fait ça. Et on envoie. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, en fait, c'est super utile d'avoir deux emplacements. Je sais pas si après on aurait pu avoir d'autres emplacements. Voilà, bon ben mon bien n'aura servi à rien. Je l'ai même pas tué en un coup. Attention, il va partir. Oh, je les garde au bon moment. Enfin, je les bloque au bon moment. J'ai même pas envie d'utiliser un saut. Bon, saut miteux. Mais regardez, nous on est des teugs. On va mettre un saut miteux normal. Comme ça, on va pouvoir tuer le Koopa à côté. Allez, au revoir Koopa. Bah nickel. Ta-la-la-la-tan-tan. Trop bien cette musique. Hop, et voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, donnez-moi cette petite carte. Ça fait longtemps qu'on n'a plus obtenu de nouvelles cartes. Enfin, de nouvelles cartes qu'on n'avait jamais vues. Hop, pourquoi on peut monter en haut? Ça sert à quoi? Ah, il y a encore deux trucs, très bien. Ok. Ah, marteau Valdingo. D'accord, mais quand je dis on n'aura pas eu de nouvelles cartes, machin, ben finalement, j'ai même pas vu. Allez, dépêche-toi. Voilà, tourne. Très bien, nickel. Très bien, nickel, super. Donc voilà. Les amis, je pense qu'on va se laisser là pour ce troisième ou quatrième épisode de Paper Mario Color Splash. J'espère qu'il vous aura plu. Oh, une culotte. Mon dieu. C'est quoi? Oui, c'est une culotte. Pantalon. Ah non, c'est son pantalon, d'accord, très bien. Alors, on va... Voilà. Encore une petite nouvelle carte, le Sommite. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce troisième ou quatrième épisode de Paper Mario Color Splash, je ne sais plus. En tout cas, on aura récupéré le pantalon de Toad, et ça c'est inestimable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et on se retrouve dans notre épisode de Paper Mario Color Splash. Bisous à tous, et à la prochaine. Ciao, ciao.